C'est un chemin, c'est un nouveau chemin pour trouver ton chemin. C'est un nouveau chemin, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Mathéo de la chaîne Trouve ton chemin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Non, ta gueule! C'est pas Fortnite? Non, TikTok, connard. C'est quoi? TikTok. TikTok! Okay. Bon. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur TikTok. Alors, ce qu'on va faire, on va aller donc sur TikTok et on va regarder des vidéos sur TikTok. Numéro 1. J'aimerais que tu me dises enfin je t'aime. Je voudrais que tu prennes ma main fragile dans la tienne et que tu m'emmènes vraiment loin. Je crois que je vais devenir folle. Bon, pour ce premier TikTok, il y a un truc on peut pas lui reprocher quand même. Elle était très très motivée. Elle avait quand même une motivation au santé. Qu'elle y était, quoi. Elle était vraiment là. Elle était là. Là, oui. Elle était là, elle voulait le faire. Wouh. Je sais pas, je vais... Vous savez quoi, je vous remets ce passage là où elle fait wouh. Regardez un peu. On voit bien, oui, qu'elle est motivée. C'est la motivation. Je sais pas trouver de mots, mais elle est motivée, elle est là. Wouh. Je crois que je vais devenir folle. Là, elle est... Il y a cet engagement. C'est quand même assez exceptionnel de trouver ça de nos jours. Hein. Quelqu'un qui met un tel engagement dans une vidéo comme celle-là, c'est bien. Hein. Franchement, moi, je pense que on peut la féliciter. Hein. Au début, tu fais le bon élève. Aïe, 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 aïe. Tu essayes d'être un modèle. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un mois qu'on est en cours, t'as été collé 5 jours, tu fais que bavarder, t'as arrêté de travailler, t'as une mise en garde. Mise en garde, comportement. T'essayes de mentir à tes parents sur ta mise en garde, comportement. Mais le bahut a déjà appelé, tu n'auras plus le droit à la télé. Interdiction de sortir pour toute l'année. Toute l'année, enfermé, sans télé, tu vas devoir travailler. Stop! Stop! Stoppez-la. Vous la stoppez. Arrête ça. Terrible, excuse-moi. Quand tu fais mise en garde, comportement, je suis désolé, ça sonne mal. Tu vois? Il y a de l'idée. Voilà. Tu l'as, l'idée. L'idée, le concept et tout, il y est. Mais moi je trouve le résultat il est pas satisfaisant, c'est pour ça que je choisis de t'arrêter maintenant. Voilà, je suis désolé mais... Allez, suivant. Mais pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Mais moi je cours parce que tu cours. On n'a qu'à arrêter de courir alors. Moi j'ai pas confiance. Mais c'est trop mimi ça, les petits loulous. Il court. Bon, par contre... En fait, non, il n'y a pas de par contre. Justement, ce qui est drôle, c'est quand même le son qui... Enfin, l'audio qu'ils ont rajouté après, il y a tout qui est drôle là-dedans. C'est... Déjà, les bébés, je trouve ça trop drôle comment ça court. Enfin, peut-être il n'y a que moi que ça fait rire, mais voilà, moi ça me fait rire, c'est tout. Laura, regardez. Pourquoi vous voulez le numéro de ma mère? Pourquoi tu vas, mon petit frère? Ok, on est sur du déjà vu, mais là... Ah putain. Ah non, mais là, putain, mais... Wow. Et non, mais quand t'as un profit très pour ça, tu fermes ta gueule, il te met tellement cher. C'est du déjà vu, mais à chaque fois que je le vois, je peux. C'est.
Là, tu vois, tu prends tes affaires, tu fermes ta gueule. Juste, tu fermes ta gueule. Au début, c'était bien parti, mais tu fermes ta gueule. Voilà. C'était bien parti, boum, ça partait en clash et tout, boum, contré, fra. Il t'a éclaté. Bon, voilà, c'était Mathéo de la chaîne Trouve ton chemin sur une vidéo sur TikTok. En tout cas, je vais vous laisser sur un petit TikTok que j'ai trouvé que je préfère vous laisser, voilà, pour sensibiliser un peu. C'est sur le harcèlement, je vous le laisse. Voilà, vous pouvez le regarder ou pas. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de la vidéo, comme ça, au moins. C'est libre à vous de le regarder. Voilà, bon, bah, c'est tout. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Allez, ciao! Je suis Paola. Je suis Jules. Je suis Léa. Je suis Bilal. Je suis Chiara. Je suis Cyril. Je suis Sullivan. Je suis Léna. Je suis Alix. Et j'ai subi du harcèlement scolaire en quatrième. En seconde. Au collège. En troisième. Au lycée. En seconde. Au collège. Ils étaient plus grands que moi. Ils me parlaient mal, ils me poussaient et ils m'insultaient. J'entendais mon nom dans les couloirs, dans les salles des professeurs. Et quand je traversais les couloirs, j'avais la tête baissée tout le temps parce que j'entendais mon prénom à droite, à gauche. On s'est beaucoup moqué de moi à cause de mes cheveux bouclés. Donc du coup, toute ma scolarité presque, j'avais les cheveux attachés, très plaqués pour pas qu'on voit mes cheveux bouclés. Par rapport aux réseaux sociaux, je me suis fait beaucoup critiquer. Une fois, on m'a suivi dans la rue, on m'a agressé, on a essayé de voler mon téléphone. Les gens partaient quand je venais. Ils m'insultaient. Fils de pute, nique ta mère, t'es gênant, va te faire foutre, tu sers à rien. J'étais en sixième et les plus grands, ceux qui étaient en quatrième, en troisième, ils s'amusaient à me poser des questions hyper cheloues sur mon orientation sexuelle et on s'amusait à me chamailler vraiment, vraiment trop souvent. Et ça en devenait lourd parce que à cet âge-là, tu sais pas répondre à ce genre de questions. J'ai toujours apprécié beaucoup jouer au foot, faire un peu les activités qu'on donne aux garçons. Léna avait dragué tous les garçons alors que j'étais littéralement là juste pour jouer avec eux. La moitié de mes potes m'ont tourné le dos parce que c'était la honte de me parler. On me volait l'argent de mon goûter, on me volait mes chaussures. En fait, on essayait de m'intimider pour que ma voix ne compte plus. Mais je n'osais rien dire. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Je parle aujourd'hui pour que toi non plus, tu n'aies pas peur de le faire. Je parle pour Marion Fraisse, Jonathan Destin, Jamel Miles, Rachel Steven, Tyson Benz, Ashanti Davis, Sadie Riggs, Jackie Pamar et toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire. Chaque année, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire en France. Un élève sur 10 est concerné. Ça fait en moyenne 3 élèves par classe. Bolos. Tu fais pitié. Pousse-toi de là. Reste dans ton coin. Tu prends pour qui? Donne-moi ton argent. Tu vas faire quoi? Sale p***. T'as vu la photo? Baisse les yeux. Regarde, c'est elle dans les vestiaires. Ça t'a pas suffi les couilles hier? Si t'en parles, t'es mort. Le harcèlement scolaire est puni par la loi. Mais seulement si vous en parlez. Si vous êtes témoin de harcèlement scolaire, parlez-en. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, parlez-en. 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 Vous n'êtes pas seul. Je suis Paola. Je suis Jules. Je suis Léa.